Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lutin65 et on se retrouve pour la découverte de Tectonica, un factorieux like. Et oui, Factorio a créé un genre. Satisfactory par exemple est un factorieux like au départ. On y incarne un sondeur qui se trouve sous la surface de la planète Calyx, un monde coloré et bioluminescent. On va devoir produire des ressources afin de découvrir les mystères des ruines entourant les environs et découvrir ce qui est arrivé au précédent sondeur. Pour cela, on va devoir créer une gigantesque usine, et qui dit gigantesque usine dit grand besoin de place. Et c'est armé de notre taupe, donc T-A-U-P-E, un genre de canon mineur que l'on va niveler et creuser le sous-sol de cette planète, pour pouvoir faire de la place pour notre usine. Alors c'est un jeu qui se joue aussi bien en solo qu'en coopératif à 4 joueurs max. Il est développé et édité par Fire Oz Game. Il est sorti le 18 juillet 2023 en Early Access et on est à la version 0.1.0F. Voilà, comme c'est marqué là-haut. Donc on va aller en jeu, je vais commencer une nouvelle partie. Pour vous montrer un peu, et on va voir un peu l'interface et les débuts en fait d'une game, en sachant que j'en ferai mon grand plaisir, bien sûr, un let's play dessus où je redémarrerai une game dès le début, ou peut-être j'utiliserai la découverte. Non, je pense que je redémarrerai, on va faire un peu n'importe quoi. Défaillance du système structurel. Exit this facility and report to production terminal Lima. D'accord. Bien, j'y vais. Your medical status is diagnostic failure. Ouais, c'est pas. Report to medical officer for unknown. En fait, d'après les bruits, on est un sondeur, mais j'ai l'impression qu'on est un robot. Quand je mets ma barre d'outils, ça fait un bruit de robot. Alors, oh, une belle usine. Alors, il y a des trucs à récupérer, non? Ça, c'est machin. Alors, ça. Oh, un piolet. Oui! On va pouvoir taper. Taper. Et oui, avant d'avoir notre top, hein, on a un piolet pour pouvoir creuser. On a eu du calcaire et de la terre. Your suit can't transmit a voice or ID signal. But my sensors are indicating you're out there. D'accord. La combi ne peut pas transmettre mes signes vitaux, c'est génial. Super. De la biomasse. Je vous disais que c'était bioluminescent. Hein. On a beau être en sous-sol. C'est joli. Et on y voit très bien. Donc oui, alors pour passer un peu de temps sur l'interface, donc on a une barre d'outils en bas hein, avec nos outils, hein, nos divers outils. Hop. On a deux d'ailleurs, des barres d'outils. On peut récolter, donc avec en faisant E, en passant à côté, on récolte des matières végétales qui serviront de carburant. Hein. C'est ni plus ni moins que de la biomasse. Voilà. On a là-haut donc... plusieurs onglets, on a donc le premier c'est les technologies, on l'a pas encore débloqué, le deuxième c'est la map, on voit un peu ce qu'on a, en gris c'est du fer, en rouge du cuivre, et en jaune je sais pas, c'est peut-être de l'or, j'en sais rien, je sais pas du tout. Ce qui est bien c'est que cette usine elle a du fer et du cuivre juste à côté, mais ouais, elle a de la chance. On peut pas y aller, peut-être par là on pourrait y aller, oh, allez voir. Hop. Ensuite, l'alimentation, en appuyant sur P, le menu de construction, production, logistique, construction de base, intermédiaire et équipement, pour le moment on n'a rien bien sûr, le journal des quêtes, des tâches à faire quoi, hop, le journal des transmissions qu'on a eues, on peut les réécouter si on veut, et hop, la banque de données, avec quand on appuie sur B. On va, pour le moment on peut pas, mais on va analyser des choses qui vont nous donner voilà, une banque de données. Alors, interagir. Il me faut des minerais de fer, 15 minerais de fer et 15 minerais de cuivre pour réparer le terminal. Ok. Bah oui, il est fichu. Try crafting a few with materials from some of the chests around here. Ouais, on a nos tâches et des conseils aussi pour réaliser certaines tâches.
sur le côté gauche du HUD et sur le côté droit du HUD, on a une minimap aussi. Donc, ouvrir le terminal de fabrication. On peut fabriquer ça. On peut construire des foreuses. On va les construire de suite. Quatre foreuses. Ça va me gêner. La pierre, j'enlève. Alors, quand on pose un bâtiment, on récolte automatiquement ce qu'il y a par terre. En fait, ouais, la pierre m'aurait pas du tout gêné. Mais bon, je préférais l'enlever. Task inbound. Mining drill. Must be built at an ore vein and fueled with plant matter. J'aimerais bien te mettre à la place de celle-là, mais on peut pas. Hop. Il me dit qu'il n'y a pas de carburant. Ça ne tienne, voilà. Oh, si. Ça ne tienne. Voilà. Continue à récupérer de la biomasse pour les deux qui nous restent. Voilà. Ça me fait du minerai de cuivre. Ça me fait rien du tout. Hey, tu consommes du carburant pour rien. Alors, si on veut démonter, F. Et on démonte. Et on récupère l'élément. Pourquoi tu récupères rien? Ah, c'est bon. Donc, du minerai. Hop. J'ai nos 15 minerais de cuivre, il nous manque les 15 minerais de fer. Alors c'est doré, hein, je suppose du coup que. Enfin, il y avait un truc doré, je suppose que c'est de l'or, mais je suis pas sûr. Je suis pas arrivé. J'ai testé pas mal, enfin un petit moment le jeu. Je suis pas arrivé jusqu'au bout. Hein. Enfin, je vais dire, voilà, j'ai pas. J'ai pas joué très très longtemps non plus. Je dois jouer quoi 2 heures. Il faut un peu plus de matériel végétal. Et bon, j'en ai 600. Je peux mettre dans l'autre. Voilà. J'ai mes 15. Non, pas encore. Il doit en avoir, ouais, c'est bon. Allez, entre là, espace pour tout transférer d'un coup. C'est de ces coffres là. Hop, hop, et on répare le terminal. Oui, tier unlocked. New technology available. Good work getting that ore plugged into the terminal, Groundbreaker. Ah, You weren't on merci. my crew. You should have been. For the next phase of repairs, you're gonna need a scanner. The tech for it unlocked automatically when you fix this thing. So, open up your crafting menu and build one. D'accord. Là, il va falloir qu'on se fasse un petit scanner. Task inbound. Scanner. Scan machine fragments to restore tech tree access. Alors, le scanner. Bien ce scanner. Hop. Scanner plein de choses. Et du fer. Ça ne fait juste remplir la banque de données, hein. C'est pas. C'est bien. Et par contre, si on scanne ça, hop, on récupère des fragments pour faire débloquer des technologies. Donc un fragment d'un serreuse rapide pour avoir pouvoir débloquer la technologie, ou bien plus tard. D'un cirage rapide. Hein, de... Je crois qu'on peut pas les ramasser.
Oh, tu m'embêtes. Dégage. Alors, un truc que je sais pas, c'est si les dépôts de cuivre, de fer, tout ça, sont limités ou pas, comme dans Factorio. Non, hop, non, on peut la démonter, ça. Hydro rampante, ça va nous donner de la biomasse. Va nous en falloir. Voilà. Récupérer encore plus de biomasse. C'est d'où on est arrivé. Ok. Encore récolté? Ah oui. Ah, je vais pas l'avoir. Tant pis. J'aurais essayé. Prends le scanner. Je préfère le scanner. Voir là. Le piolet dans les mains. Pas courir avec un piolet, ça peut faire mal. Ouais, je dois alimenter quelques fonderies. Hop. Dès qu'on est à 1000, je m'arrête là. Histoire de fabriquer des fonderies. Ça me gêne pour me déplacer. Petite biomasse. Alors pour le moment, on fait comme ça, bien sûr, hein, pour alimenter nos usines autrement bientôt. Enfin, alimenter nos divers machines autrement. Alors, on me dit, arbre de technologie, fonderie, il me faut 8 noyaux de recherche. Donc, warning. Research cores required for activation of new technologies. Refer to tech tree for current core manifest. Hop. Hop, on récupère du minerai. Ah, pourquoi j'ai que 5 noyaux par contre? Hop. Il doit me manquer des ressources. Ah, je peux plus en faire, il me faut du fil de cuivre, d'accord. Plus de fil de cuivre. Tant pis. Upgrade module scanned. Additional tech tiers or cores uh-huh. may be required. Open tech tree to review. Uh-huh. Et normalement, le jeu est sympa, il nous donne des ressources. Bien sûr, je peux pas fondre de minerais sur moi, hein, c'est impossible. Hop, ici il y a du fil de cuivre. Et voilà. Donc on peut en faire. Your mining drills won't be able to get you everything you need to build the rest of those research cores. Situations like these are why we always left chests with backup components kicking around. D'accord. C'est ça qu'ils ont laissé traîner les trucs. Research cores constructed. Voilà. Smelter technology available for activation in tech tree. Peut maintenant
vers les fonderies, où ça me consomme mes noyaux. Voilà, c'est une ressource en fait pour faire de la. Pour faire dévorer des technos, il va falloir qu'on fasse. On construise pas mal de ces petits noyaux. Donc j'ai la technologie fonderie. Ok. On va en faire 9. Et moins en 4, c'est déjà bien. Task inbound. Smelter. Supply with ore to produce ingots. Requires plant matter for fuel. D'ailleurs, hop. Ouf. Faire ça. D'ailleurs, j'aurais pu faire. Je récupère encore de la biomasse, c'est pour ça que je m'en vais. Quasiment mettre 500 dedans, donc dépêcher. Récupérer pas mal de biomasse. Tac, tac, tac. Ça fait moi ça, là, tu fais ça, bon. Où on va attendre, je vais chercher un peu plus de biomasse, pas très loin d'avoir les 500 manquants. Voilà. On a ce qu'il faut. Et voilà. Ça va me faire des lingots de fer. Et là-bas, j'ai déjà des lingots de cuivre qui doivent être en sortie. En sachant que, par contre, voilà, si je mets pas de sortie, pour moi, il y en a pas. Hein. Si je mets pas de sortie, ben, j'ai une capacité maxi. De lingots de fer pouvant être rester dans la fonderie, donc du coup ça va bloquer la production au bout d'un certain temps, comme dans Factorio, si vous laissez vos fours pleins de plaques de fer, ben ça évite pas les fours. Ben, j'en ai 20. On peut voir aussi quand je vise quelque chose, hein, là, par exemple la foreuse, il lui reste 405 de matière végétale et la 58 minerais de fer dans son inventaire. Ça va aller jusqu'à 250. Là, c'est pareil. Là, elle a 488 carburant, 164 de minerais de fer qu'elle transforme en lingots de fer. Et c'est en train de monter. Hein. On a 8 maintenant. On va récupérer. On récupère cela, normalement, juste ce qu'il faut pour réparer le terminal. Voilà. Bien sûr, réparer le terminal. Nous augmente tout ce qui est logistique. Donc en fait, voilà. Là, c'est Lima. Après, il faudra qu'on trouve Victor. Puis, il y a plein de terminaux, en fait, à réparer. Et en les réparant, on va débloquer des technologies. Donc j'ai débloqué des technologies logistiques. Une serreuse longue, mais je n'ai pas encore une serreuse. Transport, donc ça me faudrait 25 noyaux, je les ai pas. Terraformation, il faut encore qu'on débloque un truc. Et science, on a le récolte masse et le suppresse masse. Alors ça, j'ai pas trop compris à quoi ça permet de démonter en masse des ressources à proximité. Ah, mais c'est ça qui permet de faire en fait de démonter plusieurs machines en même temps. D'accord. Ça permet de récolter en masse des ressources à proximité. Il faudrait 6 noyaux. Est-ce que je peux les faire les 6 noyaux? Oui. Voilà. Je vais débloquer ça. Et il me faut 45 tapis roulants. Ouais.
logistique. Je crois que je vais en avoir 45. Ah, il me faut, je sais plus, 2 conteneurs, 4 insérieuses. 2, 3, 4, il m'en faudrait 8 du coup. On va en faire qu'une. C'est pas grave. On a du fer. Et bien sûr, du cuivre aussi. Alors, j'en ai fait 50, il m'en faut 45, donc c'est bon. C'est le crafting. Alors les deux, 4, c'est moins. On pourra stocker une fois qu'on aura mis en place plus. Je te récupère ton cuivre. Toi aussi. Par contre, j'ai pas trouvé de touche qui permette de récupérer directement en dehors des bâtiments. C'est dommage. Ça serait cool que ça y soit. Mais bon. Ah, on fait avec. Voilà. On la réalimente un peu. Alors, 5 insérieuses, il m'en faut un peu plus. Qu'est-ce qu'il me manque? Il va me manquer du minerai de fer, du lingot de fer. 8, ça me va. J'en veux 4. La serreuse, on a un guide qui me dit. Hop. Use inserters to transfer items between machines and conveyor belts. Ensuite, on va mettre. Ça, on va mettre un truc comme ça. Je leur ferai un désinsérieux, c'est pas le problème. Voilà. Ouais, je vais tourner. Ah ouais, ils sont lentes encore. Hein. Et au moins maintenant, on produit automatiquement du fer, du lingot de fer, qui va aller directement dans le coffre. J'aurais plus besoin d'aller piocher là-dedans, j'aurais juste à récupérer dans le coffre. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Il va me falloir... Fais-moi les trois là. Toi, je vais t'enlever. Et quand on analyse les lumières, en fait, les bâtons lumineux, ça les met dans notre inventaire directement. Ça marche comme ça. C'est très bien d'ailleurs. Hein. On n'a pas besoin de les ramasser en fait. Sérieuse, je t'avais pas récupéré toi. T'avais pas vu. Alors... Voilà. Quoi, manquer du fer, ok. On va chercher après. Du coup, un petit tapis. Hop. Ça. Sauf que toi ça va pas du tout. Voilà. Et on va mettre une insérieuse ici. Nous récupérer du fer. Ah, refais-moi de ça. Refais-moi en 5 aussi. Il en faut 45. Alors j'en mets deux, hein, comme ça elles vont plus vite à charger le coffre. Bon, on n'a pas les insérieuses rapides, donc...
Comme ça, il me faut 32 fer. J'ai déjà les 32 cuivres, il manque que les 32 fer. Ça va, c'est vite, là, ça va, c'est vite. Je les alimente quand même parce que c'est vrai que ces insérieuses là, elles sont vraiment lentes. Enfin, pour réparer le terminal au dernier niveau. Beacons are back online. Inspect the radio console. Ah, les balises sont à nouveau, c'est pas assumé, c'est cool. Beeping and blinking in 3, 2, 1. Alors, c'est vrai que j'avais des choses à faire. Ça là, on attend la balise. Oh. Hop, et du coup, je voulais faire le récolte de masse et le sucre masse. Voilà. Si je récolte de masse, c'est juste à faire ça. Ou pas. Ça marche pas sur la biomasse, hein. C'est dommage. Ça doit être pour récolter en masse sur les tapis alors. Faut récolter un peu plus de biomasse. Bon. Les fonderies, c'est jamais gâché de récolter. Ah, c'est dommage. J'ai pris cette technologie pour rien. Enfin, pour rien, non. Pour rien pour le moment, quoi. Alors, la balise, ça marche. Hop, on récupère ça. Oui, on va aller voir la balise. Signal triangulated. New location added to HUD. Life sign. Ah, signe de vie. Local facilities should be restored, including the one I've been stuck in this entire time. I've set an unlock code to the door. I've got some tech you're gonna like, and I know you wouldn't dream of leaving without me anyway. Ok. Alors, suivez la balise jusqu'à l'installation sécurisée. Quelle est la balise? Elle est là-bas, d'accord. Pas encore faire la tour. Ah mais là-bas, station sécurisée, je suis bête. Donc on produise notre propre biomasse. Un truc. Sending that signal is more complicated than you think. I don't know why, but these computers feel like second. Là, je peux plus courir. Sort of the opposite. Quand on est dans les infrastructures, on peut plus courir. I'd be the one to get you out of a situation. Comme le dit, ça me dit cours sur activer ou désactiver. But I'm not giving up. Dans une unité, cours sur activer. You'll see.
casualties detected. Ouais, ok, elle est morte. Ah, on a une serreuse rapide. Ouh. Alors, on va s'excuser après. Hop, c'est bon. You've never seen someone stuck inside an alien cube next to their own dead body before? Non. Whatever jamais. I was trying to do here, I'm gonna take a wild guess and say it didn't work out. Hopefully, it was worth a shot. Let's go. D'accord. T'es dans ton cube, quoi. Yep. Loupiote, je vous fous. Ça, je garde. Ça, c'est les fonderies. C'est André ou le smelter, je sais pas. C'est effondré. Et j'aimerais bien celle-là, ouais. Conteneur. Pain, et puis on mettra les mineuses plus terre. Ouais, j'ai enlevé le truc, ça a enlevé. Il n'y a plus de lumière. C'est tout noir. Stop. Ah, scan bon, the fragment in that cage by the stairs before we go. We'll need that tech to get out of the sector. Je récupère ça. Ah, nouvelle technologie, la taupe, est désormais disponible. Ça, technologie tapis roulant MK2. Ah, d'accord. Tapis roulant MK2, c'est bien ça. Ça va rouler plus vite. Bon, même si pour le moment, on n'a pas vraiment la capacité à... Local signal deciphered. Sector headquarters. À transporter. Report to production terminal radio for triangulation. Je veux dire, les insérieuses vont pas assez vite pour le transport qu'on a. Check the radio console again and see if the beacon it adds to your HUD gives us a clear path home. Mmh. Juste changer deux trois trucs puis on va se laisser là. Ah, j'ai du mal. Ouais, c'est une serreuse, c'est compliqué. Tira plus vite, 112. Je vous enlève, on va mettre la serreuse rapide. Ah, il en faut électricité, mince. Tant pis. On va remettre une serreuse normale. Donc, du coup, je vais piquer le minerai qui est dedans. Là on a 5.43, c'est parfait. Bon, on va interagir avec ça puis on se laissera là pour cette découverte. Breaker, this is the time to activate the mole in your tech tree and build one. We won't be able to cut through to Sector Victor without it. Ok. Qu'on trouve la technologie taupe, la taupe 7, j'en ai 6 seulement, faudrait une de plus. Ah, je peux remonter au-dessus, dommage. Je peux monter au-dessus. Je peux les empiler. Ouais, je vais t'enlever, histoire de me faire un escalier. Voilà. Alors, on va quand même voir la technologie de la taupe. Task inbound. Mole. Manipulates terrain for traversal and composition of industrial construction sites.
Soit brique une top, voilà. Et là, on est bien là. Donc la top, c'est fait pour miner n'importe quelle roche. Alors, par exemple, celle-là, j'arrivais pas à la miner à coup de pioche, à le piolet. Donc du coup, je peux utiliser la top pour ça. This mall is not authorized to destroy resources, critical infrastructure, or protected environmental areas. Si je reste appuyé, ça va détruire, enfin ça va miner en continu. Par contre, au bout d'un moment, on va avoir de la surchauffe. Donc, par exemple, on a 86% I never got the chance to thank you ah, for de la getting me out of surchauffe. That Hop. facility. I appreciate it. At the time, it seemed like the best thing to do was focus on work and not get caught up in thinking about anything else. J'arrive pas à I've tried passer. To stay sharp for both of us, but now that we're almost back to the main line, I'll admit it. I was terrified. It'll be good to see some friendly faces and a few thousand twinkling lights. I'm bah, sure quand you've tu got relâches, hein, people there too. Ça refroidit assez rapidement quand même. Analyser. Brin d'aube. Franchement, j'adore les couleurs, elles sont jolies, c'est joli sous cette planète. I don't understand. A factory the size of a city is supposed to be here. Ah bah, il n'existe plus, hein. It was right here. I know it was. Where is everybody? Donc, on est arrivé au terminal Victor qui va nous permettre de débloquer notre arbre de technologie. Ouais. Mais on va se laisser là pour cette découverte. Donc, on fera, hein, comme je disais, un let's play dessus. Parce que voilà, c'est un Factorio-like et j'adore Factorio. C'est pour ça que c'est sûr que je ferai un let's play sur le jeu. Alors, quand, je ne sais pas encore, mais j'en ferai, hein, ça c'est sûr. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu, tant qu'elle m'a plu à réaliser. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.